Aujourd'hui, le précédent record en Ligue 2 était de 30 000. Beaucoup de monde, hein. C'est aussi un jour spécial aujourd'hui, en fait, les 10 ans de la victoire en Coupe de la Ligue. Donc c'était en 2013, hein, et avec notamment le but de Brandao. Brandao qu'on a vu déjà passer, il serrait des mains également, qui faisait quelques selfies. Voilà, il y a vraiment une ambiance festive du côté de Geoffroy Guichard. Et vu que c'est la fête, et ben, j'ai apporté un cadeau moi aussi. C'est ce maillot à gagner aujourd'hui. Vous en avez l'habitude, comme tous les samedis, celui de Miko Tadze. Il sera signé après le match. C'est son deuxième maillot, donc je vais aller le rendre dans un instant à l'intendant du FC Metz. Pour le gagner, allez sur Twitter, hashtag BinLeague2, vous donnez votre prono, il vous reste 25 minutes. Et si vous avez le bon, il a terminé son échauffement, il est retourné au vestiaire, mais il a fait des débuts tonitruants. Hein, face. Il reste surtout à mes côtés, mais c'est bon, avec ses enfants qui ne sont pas très loin. Brandao, merci d'être là 10 ans plus tard, hein, après votre but en finale. Qu'est-ce que ça fait de revoir ce trophée qui n'est pas très loin de nous, là, et puis surtout d'être dans ce stade? Vous affrontez la meilleure équipe sur la phase retour, donc le FC Metz. Comment les contrarier aujourd'hui? Comme la semaine dernière, meilleur buteur, meilleur joueur, mais aussi meilleur buteur, parce que juste avant l'interview, on a regardé ensemble le classement des buteurs pour bien confirmer que c'était le meilleur buteur de Ligue 2 et de loin. Bravo Georges, je vous laisse prendre ce trophée. Première impression au sortir de ce match, qui est un très gros coup réalisé par Metz. De joie, un soulagement de la part du FC Metz. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui dans ce match?